Sometimes I'm selfish, get jealous, I feel a little helpless, my whole world has... Et coucou tout le monde, on continue la petite aventure fée farm, c'est parti. Alors, je sais même plus où j'en étais la dernière fois. D'accord. Il va falloir que je récupère, voilà, tout ce qui s'affiche à gauche. Bon, je vais m'occuper un petit peu. Ben, en fait, je m'en suis déjà occupée. Je sais pas si j'ai le temps un petit peu là parce qu'il est 6h du soir. J'ai peut-être le temps un petit peu d'aller récupérer des trucs. Je vais essayer vite fait. Alors. Ça y est, on a débloqué, là on est rentré. Hop! Nous voilà dans la mine. Donc c'est ici qu'on va devoir récupérer nos petits matériaux. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais ramasser les moules. Là, donc ça c'est une petite astuce de prendre vraiment toutes les moules qu'on trouve. C'est la façon la plus simple au début pour récupérer de l'énergie. Ah ouais, au début on n'aura rien du tout, on va être obligé de... Donc là en fait il faut trouver l'interrupteur pour ouvrir la porte. Donc je privilégie tout ce qui est voilà, minerai comme ça. Ce dont je vais avoir le plus besoin en premier. Bio, ça va être ça. Bon, je pense que je vais pas du tout avoir le temps. Je vais pas du tout avoir le temps d'avoir du cuivre. Hein. Et du coup, il va falloir faire un saut en plus. Ça va être tendu. Hein. Là. Donc là, on a découvert l'interrupteur, on a ouvert la porte. Et on passe à l'étage suivant. Et à chaque fois qu'on va sortir de la mine, pour le moment, en fait, il faudra bah, qu'on recommence du début. Donc là, c'est bientôt la fin de la journée. Donc le lendemain, on devra recommencer dès l'étage 1. C'est pour ça que je disais que là, j'aurais pas le temps. Hein. Je pense que... 9h du soir, ça va être très 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 short, quoi. Ah, j'arrive pas à prendre la moule, hein. Tant pis. Bon, du coup, la trappe, c'est vraiment aléatoire. Il faut casser... Oh, c'est ça que je cherche. Je crois qu'il y a du cuivre en bas. Je
Eh ouais, je vais pas avoir le temps. Là, si je trouve du cuivre, je me jette dessus. Voilà, c'est tout, hein. Ok, alors. On a rose. Voilà. Ensuite, catalogue. Il nous manque 3 minerais de cuivre pour faire le truc. Bah on peut faire ça sinon aussi. Bon, je vais attendre qu'on ait. Je vais focus. Je vais focus le truc pour fabriquer les sauts, hein. Je vais focus ça. Donc là, on y va sans plus tarder. Oh, pousse-toi, toi, merci. Je suis pressée. On est pressé ici. Par contre, attendez. Ben non, mes poches sont pas pleines, c'est bon. Voilà les moules. Allez, on refait exactement la même chose. On va essayer d'avoir du cuivre. Donc là, comme je vous l'ai expliqué juste avant, on doit recommencer du début. Bon là, faut qu'on trouve la clé pour ouvrir la porte. Moi, je dirais toujours la clé parce que voilà, c'est un interrupteur, mais c'est pareil pour moi. Dans tous les jeux comme ça où il y a une mine, je dis la clé. C'est une clé qui ouvre. Aïe aïe aïe. La clé, la solution, si vous voulez. Il n'y a pas d'autre cuivre.
trop bien ça. Hop là. Voilà, faut qu'on trouve la suite. Là, ça va, on est le matin, on a grave le temps. Mais j'ai trop de chance là. Il y en a trois. Ah, ça veut pas me donner accès à la suite, hein. Pas. La trappe, elle est bien bien cachée, hein. Aïe aïe aïe. Il est où cet interrupteur là? Ça commence à être un peu long à trouver. Voilà. Oh. Là, il y a du cuivre. Il va m'en falloir beaucoup. Je vais vous expliquer après. Thank you.
Je pense que là, on va rentrer. Parce que... De toute façon, on peut pas aller super loin. Alors, j'ai de la place ou pas? J'ai vraiment plus de place du tout. Bon, tant pis, je ramasserai une autre fois. Parce que il faut constamment essayer de se faire un petit peu de thunes quand, quand c'est possible. Hop, juste ça, je ramasse par contre. Ah, je peux pas. Alors, vous allez voir. Hop. Voilà, on a les moules qu'on va mettre ici. Super important, voilà. Là, on a de la place. Ensuite, ce qu'on peut faire pour gagner de la place, c'est mettre des choses comme ceci dans... Voilà. Dont on se servira pas directement de nos poches. On peut le stocker chez nous, là, dans la petite cabane. Tout ce qui se mange, ben, on va l'utiliser de toute façon. Voilà, le reste, on peut tout mettre dedans. Voilà, sans aucun problème. Et là, normalement, on va pouvoir... Voilà, on va pouvoir faire cette machine. Oh, attendez. Ah! RIP. Attendez. Bon, ça gêne, tant pis, hein. Hop! Voilà. Et là, du coup, donc il y a des sauts à faire. Je peux en faire 7. Je vais faire les 7. Hop. Et après, je vous montrerai bah, du coup à quoi ça sert, etc. Là, pour le moment, je me suis occupée de mes animaux. Voilà. Hop, brosser. Voilà. Donc là, je pense que... On va aller terminer la quête. Voilà. Retournez voir Cléo. Elle est où, Cléo? Non. Merde. C'est elle, non? C'est elle. Hop là, c'est parti. On retourne voir Cléo. J'ai zéro mémoire, hein. Je suis vraiment désolée, mais va falloir vous y habituer. C'est comme ça. Pas de mémoire ici. Alors, on complète la quête. Quel plaisir de te revoir, avoir la sueur sur ton front, j'imagine que tu as travaillé dur. Ça alors, tu as fabriqué un seau. Bravo aventurière. Bientôt tu glisseras à travers les niveaux des donjons comme une rainette crucifère dans de la graisse. J'ai inclus un ensemble d'outils de base dans ta maison, mais j'ai la certitude que tu voudras les améliorer en temps voulu. La mère en a parlé, mais elle n'a jamais donné suite. Wow, c'est tout elle ça. Bon, je vais tout expliquer. Utiliser de meilleurs matériaux peut te faciliter le travail, te fournir de meilleures récoltes ou même te permettre de t'attaquer à certains objets trop durs pour les outils de base. Quelle joie que tu me l'aies demandé. Tu peux rendre visite à notre forgeronne locale, Tinder. Elle te fabriquera n'importe quoi tant que tu lui fournis les matériaux. Évidemment, son temps est trop précieux pour récolter des métaux, surtout qu'elle est la seule forgeronne de la ville. Non, ce serait idiot. Pourquoi ne pas relever un petit défi plutôt? Je veux que tu améliores ta pioche vers le cuivre. Tu devras extraire le cuivre dans les mines d'eau salée, mais ça en vaudra la peine. Si tu achètes une amélioration à Cinder, elle te dira ce dont elle a besoin pour la réaliser. Allez, va vite améliorer ta pioche vers le cuivre. Oh, une dernière chose. Ne descends pas plus bas que le niveau 15. Je suis sérieuse. Ok, donc là, je vais pouvoir déjà tout ramasser. On va tout vendre. Parce que là, on va avoir besoin de beaucoup, beaucoup, beaucoup de thunes.
Si jamais ça vous intéresse d'ailleurs, je pense pas toujours à le dire dans mes vidéos, mais ce jeu-là, je le fais également en stream sur Twitch. D'ailleurs, je l'ai commencé en stream sur Twitch, donc ma partie Twitch est plus avancée que celle-ci. Voilà, on est rendu beaucoup plus loin et c'est beaucoup plus intéressant. Donc si jamais vous êtes curieux d'aller plus vite et d'aller voir plus loin directement, vous pouvez venir voir sur Twitch. Et si vous préférez prendre votre temps, vous pouvez tout à fait rester ici aussi, sans aucun problème. Voilà, ce genre de jeu... voilà, il y a des jeux comme ça que je proposerai à la fois sur Twitch, sur Twitch et sur YouTube. Comme ça, vous pourrez choisir ce qui vous convient le mieux. Voilà. Moi, en tout cas, j'adore ce jeu. Ça me dérange absolument pas d'avoir deux parties distinctes. Ça me dérange vraiment pas du tout. J'adore y jouer. Il y aura des jeux comme ça, quand j'aime beaucoup y jouer, je ferai des vidéos en plus de des streams habituels. Fabriquer, placer, forge minérale. Ok. Donc là, je vais passer au lendemain. Ah, j'ai un courrier. Entraînement au bourdon de Alaric. Chère Luna, les ronces ne te posent plus aucun problème. Un bon coup de bourdon et elles disparaissent illico presto. Mais sache qu'un bourdon magique ne sert pas qu'à se défaire des obstacles magiques. Il te permet aussi de terrasser les babazars. Les babazars sont des objets abandonnés animés par magie. Las et en colère, ils attaquent parfois les gens. Mais si tu les bats lors d'un combat magique, ils retournent à l'éther. Si tu te sens de taille à affronter ces épreuves, continue d'explorer les mines. Mais à ta place, j'irai d'abord rendre visite à Drac, le maître du combat. Il te montrera comment flanquer une raclée à ces babazars. Alaric le mage. Allez, on va aller dormir pour passer au lendemain. Hop. On a gagné un petit peu de sous. On va récupérer tout ce qu'on a. Voilà, comme ça. Là aussi, on va récupérer. Voilà. Et on retourne dans nos mines. Alors avant d'aller dans les mines, on va regarder, je sais plus, je connais pas le jeu par cœur. Hein. Donc là, il faut aller là. Et donc vous voyez, on a les améliorations. Donc nous, il faut qu'on améliore la pioche. Il faut du cuivre, lingot de cuivre 1. Et je sais plus combien de cuivre il faut en fait pour un lingot. On va essayer de faire ça vite. Pour un lingot, il faut combien? Pour un lingot, il faut 10. 10 minerais de cuivre. 10 pour un lingot. Donc, faudrait qu'on le fasse pour chacun de nos outils pour pouvoir les améliorer. Hop. Donc, il faudrait combien de lingots? 5. 5 lingots qu'il nous faudrait idéalement. Donc 50 de cuivre. Ça va être un petit peu long. Mais on va y arriver. Donc là, on retourne dans la mine. Et là, ce qui va être super, c'est qu'on va pouvoir sauvegarder l'étage auquel on est rendu. Alors, pour ce faire, donc ici, on peut placer un seau de cuivre. Ça nous ouvre la porte, donc on peut passer directement à la suite. On peut
ramasser ce qu'il y a sur la route aussi. Voilà. On trouve en chemin, on le prend. Et là, on refait la même chose. Hop, ça va nous ouvrir la suite. Voilà, on va pouvoir ramasser le cuivre aussi, là. Voilà, et à partir d'ici, bah, vous voyez, c'est pas le même saut. Donc celui qu'on a craft tout à l'heure, il est plus valable. Et à chaque niveau, vous pouvez regarder de quel saut vous avez besoin. En général, c'est 4 par 4. Donc les 4 premiers, c'est en cuivre. Les 4 suivants, c'est en martelé. Et les 4 suivants, je ne sais plus. Mais c'est 4 par 4. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Donc quand vous les craftez... En fait, sachant que le deuxième, en fait, il y a besoin du premier. Donc, en fait, on peut tout utiliser pour craft le premier parce que de toute façon, il va resservir. Donc, c'est pas du gaspillage. Hop. Voilà, moi, depuis... Même dans ma première partie, je faisais comme ça. Je m'intéresse que aux minerais et aux gemmes. Je prends pas le reste. Sauf si vraiment, je trouve pas la trappe... Mais vous allez voir qu'au fur et à mesure des niveaux, bah, y a tellement de minerais et de gemmes que bah, en fait, on trouve la trappe rien qu'en se focalisant là-dessus. Un cadeau plein. Alors, pour le minerai, je pense que ça passe. Hein. Je vais pas manquer de place, je ne pense pas. Ah, punaise. Et voilà. Ah, voilà, ça y est, j'ai pu ramasser la moule. Vous allez voir que c'est super important pour la suite de toujours avoir de la nourriture sur soi. D'avoir un bon stock de nourriture, vous allez voir que ça vous permettra d'être plus à l'aise. Ah là, il y a beaucoup de cuivre. Donc là, on se met bien, bien, bien.
Ok, donc je pense que je vais sortir. Est-ce que j'ai assez de cuivre? Oui, j'en ai 38, je suis large. On va sortir parce que nos poches sont pleines, donc on peut plus faire grand-chose. On va aller voir pour avoir la pioche. Oh, il fait des bulles. Rechoupinou. Moi aussi, je veux un truc à bulles. Je veux faire des bulles. Ouah, ça va, tranquille. Chilling sur la plage. Non, par contre, ils sont trop mignons, je trouve, les petits habitants. Quand on les voit faire leur life. Ah oui, non, faut que je fasse un lingot de cuivre d'abord, je suis bête. Enfin, je vais en faire plusieurs d'ailleurs. Quoique. Non, je vais en faire un. Parce que, y a les sauts aussi à faire. Je sais pas si je peux faire le saut suivant. Si, je peux faire le saut suivant. Bon, attendez. Vous savez quoi? Je fais d'abord un lingot. Et après. Ah, il va me manquer de la citrine pour faire d'autres. Donc là, on va juste attendre le lingot. Après, on va aller faire notre pioche pour valider notre quête. Voilà, heureusement qu'il n'y a qu'un seul lingot à faire pour la quête, parce que sinon ça aurait été un petit peu long. Et puis bon. Après, je pense que je vous... Alors, au fur et à mesure, je vous donnerai des astuces au fur et à mesure de mes vidéos, mais peut-être qu'à un moment, je ferai, comment dire, peut-être des vidéos tuto. Hop, faut que j'arrose. Ah mince, je vais juste arroser. Récupère après. Hop, et après on va replanter derrière. Faut toujours qu'on ait des petites récoltes, tout de même. Hop, je vais ranger des trucs qui ne me servent pas. Alors, attendez, déjà. Là. Ça, on peut faire ça. Ensuite, ça, comme je vous disais, on met de l'autre côté parce qu'on s'en sert pas immédiatement. Le petit corail, on va le vendre. On va racheter des graines. En même temps qu'on ira faire notre pioche. Voilà, on va aller faire notre pioche. Et en même temps, on ira chercher des graines. Je privilégie d'abord la pioche parce que je me rappelle plus combien ça coûte. D'ailleurs, ça, on laisse ça au passage. Alors, la pioche. Et voilà, elle est améliorée. Donc, on va devoir aller voir Cléo qui est toujours au même endroit. Bah d'abord, je vais acheter les graines parce que je sais pas trop à quelle heure ça ferme les magasins le soir. Enfin, les marchands. Du coup. 45, ça va, c'est pas très cher. Et on retourne voir Cléo. Compléter la quête. Ah, tout ce cuivre m'aveugle, je plaisante. Plus tu trouveras de minerais, plus tu pourras améliorer tes outils. Je savais que tu avais du talent, Luna. Tu as la passion de la découverte dans le sang. Alors tu as amélioré ta pioche d'une étape. Voilà comment travailler Malan. Mais il y a quelque chose d'autre sur l'amélioration des outils que tu devrais savoir. Certains métaux d'Azoria ont été infusés avec la magie sauvage qui s'est répandue sur l'île. Oh non, rien de grave, au contraire. Tu vois, les outils faits avec ces métaux sont infusés de magie et cette magie peut faciliter encore davantage ton travail. Et tu sais quoi? Le fer est un métal magique, tout comme l'or et l'argent. Tu en trouveras dans les mines d'eau salée un peu plus bas. Que dirais-tu de créer une pioche en fer et d'essayer d'utiliser ses capacités magiques pour briser les rochers? Alors, il faut que je fasse une pioche en fer.
Extrait un métal, améliore un outil et progresse dans les profondeurs. C'est ça la vie des aventuriers. Donc là, on va juste terminer notre petite journée. On a des petites choses à faire. Je vais essayer d'attraper. Voilà. Là, on peut un petit peu plus chill. On a bien travaillé, donc on peut un petit peu chill. Voilà. Là, il y a des petits insectes. On les attrape. Hop. La grenouille. Petit papillon. Hop. Là. Et là, on va planter nos petites graines. Et voilà. Alors, on va regarder est-ce qu'on n'aurait pas débloqué des choses. Alors là, pour le moment, non. Ça, ce serait intéressant qu'on l'ait. Briques de pierre. Bois d'œuvre. On va avoir besoin de ça. Briques de pierre. Lingots de cuivre. Et j'ai oublié l'autre ingrédient. Briques de pierre, il en faut deux. Je vais aller chercher un petit peu de pierre. Je crois qu'il y en a un petit peu sur la plage, vite fait. Avant de terminer la journée. On a quelque chose à vendre. On a beaucoup, beaucoup de bouffe. Est-ce qu'on n'en vendrait pas une partie? Je sais pas trop. Pour le moment, on va garder et puis on verra. Ok. Est-ce qu'on va pouvoir faire notre petite machine avant d'aller dormir? On va attendre la brique de pierre, comme ça on va pouvoir faire la machine suivante dont on aura besoin. On va peut-être même pouvoir faire le bois, parce que du coup bah, on aura besoin du bois. Voilà, c'est bientôt prêt. On va pouvoir récupérer. Hop là. Donc là, normalement, voilà, c'est bon. Il nous faut quoi pour... Donc il faut 5 briques de pierre et 5 bois. 5 bois. Facile. Pour la pierre, par contre, j'en ai plus. Mais j'en aurai très certainement dans les mines.
J'ai pas pu tout récupérer. Écoutez, ça, on va ranger pour le moment. Les insectes, je les garde. Je vous montrerai plus tard, après, pourquoi je les ai gardés. Je vais en avoir besoin. Voilà, j'ai tout ramassé. Mais écoutez, c'est la fin de la journée. Donc on va aller se coucher. Mais ce sera également la fin de cette vidéo. Voilà. Je m'arrête ici les loulous. Et bah, on verra la suite la prochaine fois. Voilà, je... La prochaine fois, on fera les, la mine pour trouver du fer. Voilà, on essaiera de trouver du fer et faire la quête qui s'affiche là à gauche. On commencera par ça et après, on découvrira la suite. Je vous laisse ici et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!